vraiment faire ses soins. Il a eu des discussions professionnelles avec les dirigeants, il a réglé ses problèmes. Écoutez, c'est un, pour moi, avec recul, Rounier, c'est un très bon gardien de but. C'est pas par hasard, n'est-ce pas, qu'à cet âge-là, il est capable encore de jouer pour son équipe nationale. Je sais qu'il a eu des conflits avec les supporters, mais ça c'est un petit peu le danger, n'est-ce pas, quand quelqu'un qui ne maîtrise pas vraiment, vraiment la langue. Et puis peut-être qu'il a aussi un caractère comme les Lensois, comme les Ch'tis aussi, ils ont. Ça peut amener à d'incompréhension, mais Rounier, ce que moi je connais, il a rempli son travail comme la plupart de mes joueurs. Il n'était, je ne sais pas, à moi il ne m'a pas posé des problèmes. Il a eu des conflits avec certains joueurs. Oui, peut-être qu'il a vu certains manques. Est-ce qu'il a choisi le bon chemin de régler ses problèmes ou ses manques? Non, sans doute que non. Ça c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que on a eu un ou deux conflits avec. Vous les connaissez mieux ces conflits parce que à mon époque il a eu seulement un. Les mêmes types de conflits, il est arrivé avec des autres joueurs aussi. Et surtout ce que j'aimerais vous dire, que j'ai passé dans quelques clubs et je peux vous assurer que partout, il y en a des conflits. Exactement comme chez nous. Mais le problème qu'au moment quand tout va bien, ces conflits-là, ils sont diminués ou on ne les a pas vus ou on ne veut pas parler de ça parce que le club, et peut-être que ça c'est une erreur, je ne parle pas de Lens mais en général, le club, la plupart du temps, quand il y a un conflit comme ça, il essaie de, allez, c'est pas si grave que ça. Regardez un petit peu ce qui se passe entre vous et pas vous. Entre, je comprends rien du tout en politique, mais quand j'entends qu'on savait certaines choses sur une certaine personne, mais on n'a pas osé de dire, écrire, mais regardez un petit peu vous dans le miroir aussi. Mais je crois que les clubs aussi doivent régler. Alors, quand il n'y en a pas suffisamment d'autorité, alors on essaie d'étouffer ces problèmes-là. Mais je ne sais pas, j'ai trop parlé. Ce qui concerne Rounier, pour moi, il était et il est un bon joueur, un bon professionnel. Même sa façon, comment il a réglé le problème, c'est un problème sportif. Ça va. Et je peux vous dire que il a aimé ce club. Il n'a pas compris beaucoup de choses, mais il a aimé ce club. J'ai aussi l'impression qu'on cherche impérativement le bête, la bête. Le bête à battre, le bête.